Salut à toutes et à tous, un petit déballage pour vous présenter un rouleau de fil de pêche bleu acheté sur le site Gearbest et livré dans cette petite boîte. Donc sur le rouleau, on a quelques publicités, on va dire entre guillemets mensongères. Voilà, on a USA ici, Made in USA ici, donc ça c'est un argument de vente. Hein. Là également, on a fabriqué à partir de matières premières japonaises. Donc les Japonais, entre autres, ils sont très réputés pour la fabrication de fils de pêche et de filets même. Voilà, donc ils mettent ça pour feinter un peu l'ennemi, mais c'est du Made in China 100%. Donc c'est un rouleau de 100 mètres de long, de 1/4 de millimètre de diamètre, de couleur bleue. Donc le fil, où est-ce qu'il est? Voilà, très très fin. Bon, je m'en sers beaucoup pour bricoler, pour faire de la couture et pas mal d'assemblage. Dans le sens où c'est très résistant, c'est pratiquement invisible. Voilà, bon, on ne le voit pas, vous voyez, c'est très très fin. Voilà, il est annoncé comme résistant à 15 kg de tension. Bon, je me doute que ce soit le cas. C'est un peu gonflé, mais bon. Voilà. Pour le bricolage, c'est nickel. Entre autres, hein, pour faire pas mal de travaux d'assemblage, de couture à la main, etc. Voilà. Donc, il ne fait pas 15 kg, je peux vous le dire tout de suite. Voilà, c'était un simple rouleau de pêche, 200 mètres, 0,26 mm de diamètre. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.